La visite pour Cyric. Les nouvelles ne sont pas excellentes. L'avocat dit qu'il n'y a aucune chance. Dans ce cas, je peux te dire ce que j'ai appris. Abel est sur le déclin. Je sais. Il est à l'hôpital. Son état est plutôt critique. Oui, je sais. Il n'y en a plus pour longtemps. C'est ce qui se dit, oui. On lui donne pas une semaine. Alors, très bien. Écoute. J'ai eu une idée. Ça vaut ce que ça vaut. Quand j'ai refroidi Robiche, Abel n'était pas loin. Ça a été le seul témoin. Et ce qu'il a dit n'a pas servi à grand-chose. Seulement, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il était sur les lieux, qu'il n'y avait aucun autre témoin que lui. Et alors? Alors, dans 8 jours, il sera peut-être mort. Ce qui veut dire qu'il n'a plus rien à perdre. J'ai jamais fait d'aveu, moi. J'ai été déclaré coupable et enfermé ici sans aucune preuve concrète. Qu'est-ce qui se passerait si Abel disait « c'est moi »? J'ai tué ce Robiche. Abel n'a rien à perdre, il est mourant. Il doit songer à l'avenir de sa femme, de son fils, qui se demande ce qu'ils vont devenir quand il sera mort. Je sais qu'Abel n'a pas un sou devant lui. Il n'a jamais eu d'argent. Propose-lui de l'argent. Autant qu'il en veut. Achète-lui ses aveux complets. Va voir notre avocat. Il saura comment il faut procéder. Qu'il explique à Abel comment faire sa déclaration pour qu'il soit impossible de la contester. Que ce soit fait comme quelqu'un qui veut libérer sa conscience avant sa mort. Monsieur Cyric. Bonjour, madame Abel. Bonjour. Bonjour, Benny. Salut. Vous venez voir mon mari? Oui, j'ai entendu dire qu'il n'allait pas très très bien. Et j'ai pensé que ça lui ferait plaisir. Nous nous connaissons quand même depuis plus de 20 ans. Oui, il a du mal à avoir les idées claires. Il pleure beaucoup. N'y a-t-il aucun espoir? Non, aucun. Il perd un peu la boule et son état s'aggrave de jour en jour. Malgré tout, allez-y, entrez. Ça lui fera plaisir. On y va maintenant. T'es pressé? T'as un train à prendre ou quoi? Cher monsieur Abel, comment ça va? Je n'ai pas encore perdu tout espoir. Je crois que je suis le seul à penser que je peux encore m'en sortir. Je suis content que vous soyez là. Merci beaucoup. Je voulais simplement savoir comment vous alliez. Et si je pouvais faire quelque chose pour vous aider. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Bientôt, je n'aurai plus besoin de rien. Oh, c'est quelque chose dont je me réjouis presque. Mon unique consolation, c'est que je n'aurai plus besoin de quoi que ce soit et que mes ennuis seront terminés. Tu es allé directement à l'hosto? Oui, pour le voir. Savoir dans quel état il était. Et pour savoir si on avait une chance. Et il a eu l'air intéressé? Je ne lui ai encore rien dit. J'y retourne demain. Il faut que je me fasse une opinion sur ce qu'il pense, sur sa façon de réagir. Et dans son état, je ne sais pas s'il comprendra ce que je lui dirai quand je lui ferai notre proposition. Et tu te souviens comment ça s'est passé ce soir-là, dans le bar? Il venait de fermer, tous les garçons étaient déjà partis, et il n'y avait qu'Abel qui était là. Il était revenu prendre son manteau qu'il avait oublié parce qu'il commençait à pleuvoir dehors. Il est entré dans la salle, toutes les lumières étaient éteintes, seule celle du bureau brillait.
Il est monté croyant qu'on l'avait oublié. Il a entendu un coup de feu. Il a entendu un coup de feu, puis des cris et des gémissements. C'est peut-être bien la dixième fois que tu me racontes ça. Et lors de sa déposition, il a dit qu'il s'était enfui car quelqu'un s'était mis à courir derrière lui, quelqu'un sortant du bureau. Mais il ne sait pas qui c'était. Et il n'a jamais été soupçonné? Pas ce crétin, il ne craignait rien. Et aujourd'hui, tu veux que ce crétin dise que c'était lui? Bien sûr, il n'a rien à perdre. Et pourquoi le ferait-il? Parce qu'il a une femme qui ne sait pas de quoi elle va vivre et un fils incapable de subvenir à ses besoins personnels. Ce sont d'excellentes raisons pour un homme qui s'intéresse un peu à l'avenir de sa famille. À moins qu'il soit heureux de s'en débarrasser. C'est une idée d'Alex? Mais. Vous êtes vraiment des salauds. Mettez-les sur la table. Elle aussi... Elles vont se faner. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à vous. J'arrive plus à dormir. Alors je réfléchis. La nuit, le cerveau est envahi de pensées qui s'entrechoquent et qui vous obsèdent. Et vous vous dites que vous n'avez plus toute votre raison. Alors, allez-y. Allez-y, dites-moi. Dites-moi pourquoi vous venez me voir. Vous savez, j'ai été garçon de café toute ma vie, mais c'est pas pour autant que je suis plus bête qu'un autre. Alors, pourquoi vous venez me voir? Je viens vous parler de votre famille, de votre femme, de votre fils. Sont-ils tous les deux à l'abri du besoin? Ça vous inquiète? Non. Mais je pense que c'est vous que ça devrait inquiéter. J'ai plus le temps de m'inquiéter. Eh bien, au cas où ça vous inquiéterait... J'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer. Une proposition à laquelle vous pourriez réfléchir calmement. Elle ne vient pas de moi, mais de mon frère, Alex. D'ailleurs, il vous salue. Madame Abel? Oui? Votre mari a une visite. Il a une visite? Qui donc? Monsieur Siric. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit, Abel? Oui. C'est que tout ça, il faut que ça se mette en place. Et puis d'abord, oui, il y a quelque chose qui m'échappe. Je vous ai dit que mes pensées, le peu que j'ai encore, sont devenues folles. Et j'ai une question à vous poser. Nous en avons pas parlé, enfin je veux dire que vous m'avez rien dit sur le prix. Je pense que votre idée est folle et je ne ferai rien, mais je veux savoir combien vous vouliez me donner. Je vous demande ça juste par curiosité. C'est vous qui nous dites ce que vous voulez. Je dis ce que je veux. Mm-hmm. Alors si je vous disais 100 000 marques. Ça ne ferait aucun problème. Aucun problème, et si je disais 300 000 marques? Écoutez, Alex serait libéré. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Alors 300 000 marques, ce serait d'accord? Je vous le répète, aucun problème. Partez, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi seul avec les 300 000. Bah.
Alors? Est-ce qu'il a dit oui? En tout cas, il n'a pas dit non. Essaie de lui parler, toi. Oui, mais de quoi? Laisse-le dedans. Qu'est-ce qui t'a apporté des fleurs? Je pourrais te le dire, mais je ne sais pas comment. Si j'essaie, écoute. C'est un bon samaritain. Tu as encore le courage de plaisanter. Et surtout avec moi. C'est peut-être pas une plaisanterie. C'est à moi de décider si c'est une plaisanterie ou non. Tu comprends? C'est à moi. Sur mes derniers jours, je suis devenu une personne importante. Toute ma vie, les gens m'ont piétiné. Et aujourd'hui, je suis important. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est la fièvre qui te fait délirer. Maman, maman, si tu te retrouvais avec 300 000 marques en liquide. Arrête, s'il te plaît, tu te fais du mal, essaye de rester calme. Non, non, je viens de te dire une chose. Aujourd'hui, je suis devenue une personne importante. Non, j'en ai marre. Et qu'ils aillent tous se faire voir. Oui, allô? Une petite minute. C'est Monsieur Abel. Oui, Abel. Écoutez, je suis très fatigué. Mes yeux sont quelque peu embrouillés. Je crois que je suis très proche de la fin. Vous devriez aller voir ma femme tout de suite. Je lui ai tout expliqué. Elle voudrait en parler avec vous. De la façon dont ça va se régler, cette affaire. On a sonné. Oui, j'ai entendu. Ah, monsieur Siric, entrez, je vous prie. Allez-y. Salut. T'es acheté des cigarettes, t'as les moyens, toi, hein? T'aurais quand même pu attendre un peu, non? Je pense que vous devez être content de vous. Vous avez semé le désordre. Tu pourrais peut-être le laisser parler. On peut écouter ses explications, non? Ensuite, on verra ce qu'on fait. C'est très simple, vous verrez. Votre mari fait une déclaration en présence d'un avocat, bien sûr. Votre mari devra dire que, compte tenu de sa disparition prochaine, il ne peut retrouver Dieu le Père avec un délit sur la conscience. En fait, c'est un assassin. Pff, c'est complètement absurde. Tous les gens qui connaissent Abel vont mourir de rire. Non, non, laissez tomber, toute cette histoire n'a aucun sens. Ça n'a malheureusement ni queue ni tête. Excusez-moi. Vous avez dit malheureusement. Oui, 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 j'ai dit malheureusement. Donne-moi une cigarette. Voyez-vous, monsieur Siric, je devrais vous mettre à la porte. Oui, vous avez bien entendu. Car vous blessez mon orgueil. Le mien, celui de mon garçon. Et de mon mari, bien entendu. Cela dit, on entend une petite voix qui vous parle et qui dit « Serais-tu devenue folle ?» Tu
toute cette histoire est ridicule. Et il y a une autre voix qui vous dit... Ton mari qui n'a jamais fait grand-chose pour toi de toute sa vie... Et aujourd'hui, il fait quelque chose pour toi. Ça demande quelques secondes de réflexion. Maman, 300 000 marques. Bon sang béni, hein, on pourrait même pas les toucher. On pourra s'en servir un jour. Bien sûr que ça peut marcher, tout peut marcher. Le tout est de ne pas s'en mêler les pinceaux. Tout doit être précis. Le déroulement des faits exposés par Abel doit être... vraisemblable, ou mieux encore, convaincant. Dans quel état est-il, ce monsieur? À deux doigts d'y rester. Il veut faire ses aveux au plus vite en présence d'un avocat. Et il m'a demandé de lui trouver un avocat sérieux. Mais en quoi puis-je lui être utile? Il tient à ce que ses aveux soient faits sans équivoque sur le plan juridique. Et c'est pour ça qu'il a besoin de votre aide. Cet homme est-il sain d'esprit? J'aurais besoin d'une attestation médicale. Et vous l'aurez. Je vous préviens tout de suite. Je prends ses aveux par écrit, je ne lui dicte rien. Et ma femme et mon garçon, ils doivent prier notre Seigneur, tous les deux à genoux. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent une voiture. Ou bien autre chose, des vacances, un voyage en avion. En train, tout leur est permis maintenant. Le monde leur est ouvert. Vous savez, toute ma vie, j'ai pas été grand-chose. Depuis aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. On vous demande, monsieur. Quand vous voulez, monsieur Siric. Bien. L'avocat est arrivé. Votre médecin aussi, et il y a un prêtre également. Vous connaissez votre texte. N'ayez aucune crainte. Je le connais. Reprenez-vous, voyons Abel. Je vais recevoir beaucoup de pourboires aujourd'hui. Ça, c'est la vue du premier étage. Oui, c'est vraiment splendide. Ah, par beau temps, on voit 40 kilomètres. Et dis-moi, ça, ce ne serait pas le musée de Dahlem, par hasard? Si, c'est ça. Tu l'as visité? Oui, oui, bien sûr, plusieurs fois. Mm-hmm. Les autres, je les ai prises de... dis-moi. C'est pas vrai. Tenez. Oh, c'est beau aussi. Merci. Ah oui, et celle-ci, tiens, regarde celle-ci. Je l'ai prise un matin au lever du soleil. Oui. Rebondissement dans l'affaire Roubiche, confession d'un serveur. Ce qui est étonnant, c'est ce qui est marqué là. Tiens, emballe ça. Je peux téléphoner, s'il vous plaît? Oui. Oui, Harry, je viens de lire le journal. Est-ce que tu te rends compte? Le serveur? Mais c'est complètement insensé. Oh, tu sais, j'ai lu sa déposition, il a fait des aveux avec tous les détails. En plus, le papier a été certifié par un avocat. J'ai rendez-vous avec le procureur ce matin. Dès qu'il sera là, nous fonçons à l'hôpital. Vous êtes les messieurs de la police criminelle? Oui. Oui, dites, nous aimerions parler avec monsieur Abel. Il est très faible, mais je pense que je ne peux pas vous empêcher de lui parler. Vous êtes l'inspecteur principal d'Eric? Oui, excusez-moi de ne pas m'être présenté. Et voici le procureur général, Maître Hein. Monsieur Abel tient absolument à vous parler. C'est gentil d'être venu. Monsieur Abel ne passera pas la nuit. Sa famille est près de lui. Si vous voulez, on peut y aller. Merci. Pourrais-je parler seul avec votre mari?
docteur, s'il vous plaît. Bonjour, inspecteur Derrick. Bonjour, madame Abel. Merci beaucoup. Alors, monsieur Abel, c'est vous qui avez tiré sur Rubisch. Incroyable, n'est-ce pas? Absolument incroyable. Et pourtant, c'est vrai. J'ai fait des aveux qui ont été relevés par écrit. Et un avocat était présent, et aussi un prêtre. Et tous mes péchés ont été absous, je peux... Il n'empêche que je n'en crois pas un mot. Monsieur Abel, si je me souviens bien de ce que vous avez dit, vous vouliez libérer votre conscience. C'est vous qui auriez abattu votre patron, parce que... Au fait, pour quelle raison? Vous l'accusez de vous avoir volé. Je me suis rendu compte qu'il me volait depuis des années. Une partie importante de mes pourboires... La moitié, il gardait la moitié de cet argent pour lui. Je me suis rendu dans son bureau et je me suis servi. Il m'a surpris et j'ai tiré sur lui. Monsieur Abel, Monsieur Abel, vous n'avez tiré sur personne. Non? Non. Oh. Écoutez, inspecteur. Je peux vous prouver tout ce que je dis. Approchez un peu. Je vais vous dire une chose dont personne n'est au courant. Nous avons à la maison... Qu'est-ce que c'est que ça? De l'argent? Mon Dieu, il y en a pour une fortune. J'attendais que tu reviennes. Tu venais de partir quand il est mort. Bon, j'ai le rapport du labo et il confirme que c'est bien l'arme qui a tué Rubisch. Ensuite, que les empreintes sont celles d'Abel. Et j'ai ici l'argent qu'Abel affirme avoir pris dans la caisse lorsque Rubisch l'a surpris et qu'il lui a tiré dessus. Tout cela est trop bien ficelé. Ça cache quelque chose. Stéphane, nous avons tous la même idée. Quelle idée? Que tout a très bien pu se passer comme ça a été dit et qu'Abel a dit la vérité. Et puis, Zirik n'a jamais avoué, il n'a été condamné que sur de fortes présomptions. Je peux même te dire que le procureur... Quoi le procureur? Il dit que les aveux qui ont été faits par Abel sont clairs. Alex, Zirik et Rubisch étaient associés dans le bar et amis. Jusqu'à ce que Rubisch pique la femme de son ami, tombe amoureux d'elle. Montre-moi la photo, on a bien une photo d'elle dans le dossier. Et la voilà. Oui, il tombe amoureux de cette femme. Et je suppose que les sentiments sont réciproques. On a une photo de Rubisch. Elle tombe donc amoureuse de cet homme, oui. Ça n'a rien d'extraordinaire. Une histoire entre deux jeunes personnes comme ça, il en existe des milliers dans le monde.
Seulement, leur histoire ne peut pas rester secrète. Et un jour, Cyric l'apprend. Tous les témoignages concordent pour dire que Cyric est devenu blanc comme un linge quand il l'a appris et qu'il a dit « je vais le tuer ». Il a dit « je vais le tuer ». À toi maintenant, donne-moi ta version. Il monte dans sa voiture. Il va au bar dans le but d'y retrouver Rubiche. Et voilà sa déposition. Je suis arrivé et je l'ai trouvé déjà mort. C'est lui-même qui appelle la police pour dire qu'il vient de découvrir le corps de son associé. Et voilà qu'aujourd'hui, nous apprenons qui a tué Rubiche. Un serveur. Un serveur à qui Rubiche aurait volé ses pourboires. L'affaire semble très simple. Tu n'es pas d'accord? Brigade criminelle, j'écoute. Inspecteur Derrick. De la part de qui, je vous prie? Elena Cyric. Oui, inspecteur Derrick, à l'appareil. D'où m'appelez-vous, madame Cyric? Je suis sur la route. Je vous appelle de ma voiture. J'étais en vacances quand j'ai reçu un coup de fil. Mon mari n'est pas l'assassin? Disons pour l'instant qu'il y a une autre déposition. Il paraît que ce serait un des anciens serveurs du bar, monsieur Abel. Oui, c'est lui qui a fait des aveux peu de temps avant sa mort. Il est mort? Oui, il était très malade. Monsieur Derrick, est-ce que mon mari va bientôt sortir de prison? Où êtes-vous en ce moment? Près de Munich. Brockenfischer. Très bien, ne bougez pas de là, je connais cet endroit. Nous arrivons immédiatement. Inspecteur, je dois vous dire quelque chose. Je suis toujours convaincue que c'est mon mari qui a tué et non Abel. Abel aurait été incapable de faire ça. C'est quelqu'un qui n'aurait fait de mal à personne. C'était un homme qui était sans défense. Peut-être, mais nous avons trouvé l'arme du crime dans son grenier. Et il y avait aussi ses empreintes dessus. Peut-être, mais ce n'est pas lui. Mais je suis du même avis que vous. Comment ça ne suffit pas pour empêcher votre mari d'être libéré? Mais ça n'a pas l'air de vous réjouir. Je suis morte de peur. Je vais vous avouer quelque chose. Quelque chose que je n'ai dit à personne et qui vous fera comprendre pourquoi j'ai peur. Après que mon mari ait été condamné, il m'a dit... Je t'aurai, toi aussi. Bonjour, madame Haupt. Pouvez-vous rentrer mes bagages? Oui, bien sûr. Ces messieurs sont de la police criminelle. Bonjour. Entrez, je vous en prie, j'arrive. Votre beau-frère a appelé plusieurs fois. Il voulait savoir quand vous arriveriez. Je vous remercie beaucoup. Mon beau-frère a téléphoné. Oui, il a téléphoné. Mais il avait rompu tout contact avec moi. Quand mon mari doit-il sortir? Demain? Après-demain? Je ne peux pas rester dans cette maison. Écoutez, ce ne sera pas aussi rapide. Sa libération n'interviendra qu'après la décision du juge, ce qui demande un certain temps. Donc, ce n'est pas demain qu'il sera chez vous. Inspecteur, il veut me tuer. Comme il a tué Rudy, je le sais. Ça y est, elle est enfin arrivée? Oui. Il y a une autre voiture. Elle n'est pas sale? Non. Il y a deux inspecteurs de la brigade criminelle. Ah. Alors, allons voir ça. Hello. Sois la bienvenue. Ça fait deux jours que j'essaie de te joindre, ma chère. Tu as entendu la nouvelle? Bonjour. La police criminelle. Je suis ravi que vous soyez là. C'est grâce à vous que mon cher frère s'est retrouvé en prison. Seriez-vous là pour vous excuser? Vous ne semblez pas très net, vous, hein? Je profite de l'occasion, je veux vous voir dans mon bureau demain matin, c'est clair? À 9h. Tu as déterré la hache de guerre? Oui, c'est exact. Buvons à sa prochaine libération.
Quand doit-il sortir? Nous y travaillons. Les avocats, les juristes, ils feront tout ce qui doit être fait. Et il sera sorti bien plus tôt que certaines personnes que je connais le souhaitent. Est-ce que tu aurais la trouille? Mais n'aie aucune crainte. Il te dira peut-être quelques mots bien sentis. Et après, tout rentrera dans l'ordre. Madame Haupt. Vous êtes allé voir M. Abel à l'hôpital plusieurs fois. Oui, c'est exact. Pourquoi n'y serais-je pas allé? Il était chez nous depuis plus de 20 ans et il était mourant. Il était de mon devoir de lui rendre visite. Vous avez fait plus que lui rendre visite. Oui, car M. Abel voulait que je me charge de certaines démarches. Il savait qu'il allait mourir et il voulait s'en aller en paix. Pour ce faire, il tenait à faire des aveux complets. C'est lui qui m'a chargé d'appeler un avocat pour lui demander comment il devait s'y prendre. Maintenant, dites-moi ce que je fais dans ce bureau. C'est ce que vous vouliez savoir, non? Je vous fais remarquer que je ne me suis pas fait prier pour vous le dire. Je peux très aisément comprendre que vous ayez quelques doutes sur la déposition de cet homme. Est-ce que je vois juste? Oui, tout à fait. Très bien, je vais vous dire quelque chose qui va sans doute vous étonner. Je les avais aussi. Oui, j'avais également des doutes. Je pensais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans tout ça. J'ai plaidé pour M. Sirik. J'ai assuré sa défense et j'ai trouvé juste qu'il soit condamné pour ce meurtre. Bien qu'il n'ait jamais fait d'aveu. Mais aujourd'hui, j'admets que mon esprit est envahi par le doute. Oui, j'ai bien écouté tous ceux qui avaient quelque chose à dire. On m'a convaincu. Ensuite, j'ai relevé par écrit, sans rien omettre, tout ce qui m'avait été dit. Des rats. Tous des rats. Le frère est un rat. L'avocat est un juriste de bas étage. Il est bien connu pour ça. Nous sommes victimes d'un complot. Très bien. Alors supposons que quelqu'un ait convaincu Abel de faire une fausse déclaration. Même mieux qu'Abel ait été payé pour la faire. On sait que ce gars n'était pas un exemple de courage ni d'initiative. La question est de savoir comment a-t-on pu le convaincre de faire des aveux. Ou mieux, combien lui a-t-on remis pour les faire. Ceci étant, quelqu'un a réussi en l'espace de 3 jours à déposer l'arme du crime et l'argent qui a été soi-disant emporté par Abel dans son grenier. Lequel grenier n'a pas pu s'ouvrir tout seul vu qu'on y accède par l'appartement. Ce qui veut dire que Madame Abel est au courant. Elle a déjà l'argent remis par les intéressés à son mari peu avant son décès pour sa fausse déposition. Bonjour, Madame Abel. Bonjour. Je ne vous dérange pas, au moins. Ne soyez pas stupide. Si vous êtes là, c'est pour me voir. Alors venez. Ah, vous avez effectué des achats? Oui. Quelques affaires dont j'avais besoin. Et que je voulais depuis longtemps. Puisque vous êtes là, vous allez me donner votre avis. Vous allez me dire ce qui me va bien. Et surtout, ce qui ne me va pas. Oui, je peux toujours essayer. Vous voyez, c'est tout de même très curieux. Je me suis mise en quête de nouvelles tenues. C'est une certaine manière de se chercher soi-même. Oui, on aimerait savoir qui suis-je au juste. Est-ce moi dans cette tenue? Ou alors, est-ce
Moi, dans celle-ci. Laquelle? Celle que vous portez très bien. Oui. Je ne crois pas que je sois tout à fait ainsi. Et puis, il y a autre chose. Je me demande également, ai-je bien eu raison d'acheter tout ça? Qu'est-ce que vous en dites? C'est très joli, magnifique. Je me demande également qui vous êtes et j'avoue que la réponse à une telle question est terriblement difficile à trouver. Vous avez encore un peu de temps? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, je reconnais que ça me plaît énormément. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que le reste ne vous allait pas. Vous voyez, cela n'est pas si simple. Vous n'avez pas pu répondre à la question qui était posée. Qui suis-je? Eh non. Dans ce cas, dites-moi pourquoi vous êtes venu ici. Je suis venu pour voir comment vous alliez, si vous n'aviez besoin de rien, si je pouvais vous être utile. Ça va très bien. Et financièrement aussi? Oui. J'ai reçu un peu d'argent de Cyric, de Alex, lui qui va bientôt sortir de prison. Et c'est son frère qui me l'a apporté, oui. Je lui ai bien sûr demandé de l'argent. Pourquoi de l'argent? Et il a dit que... qu'Alex voulait nous remercier, que... que mon mari l'est sorti de là. Qu'il l'est sorti de là? Oui, enfin, qu'il a fini par avouer. Alex ne pouvait plus le remercier en personne, il a pensé à sa famille. Et combien avez-vous reçu? Quelques milliers de marques. Ainsi, votre mari, l'assassin, a pu tout arranger pour vous après son décès. Vous changez de garde-robe, votre fils de moto. Vous pouvez le remercier de sa gentillesse et prier pour le repos de son âme. Amen. Oui, d'accord, merci. Ils ont payé pour les aveux, ils ne s'en cachent même pas. En remerciement des services rendus, on annule un jugement avec quelques milliers de marques. Que penses-tu de tout cela, Harry? C'est assez rusé. Presque génial. Ils n'ont même pas à cacher l'argent. Ils peuvent en profiter. D'une partie, du moins. J'en conclus que les mauvaises cartes sont chez nous. Je sors avec Madame Abel ce soir. Let's go! Baisse les épaules, Chris. Je vois pas ton visage. Bien. Ça va. 6, 7 et 8. Tourne. Tourne. 5, 6, 7. Un peu de nerf, les gars. Le corps bien tendu, oui. Gauche. Tendu. Ne laissez pas tomber. Gardez les bras bien tendus. Doucement. Et 6. Et 5, 6. 7 et 8. Et 1. C'est bon. Continuez. Cambrer, pensez à cambrer. Allez, attention. Souple les hanches. Oui. 1, 2, 5, 6, 7 et 8. Oui. Vous savez où on est? Oui, oui. C'est ici que votre mari a tué son patron. L'endroit n'a pas l'air de vous plaire. Pourquoi m'avez-vous amené ici? J'ai considéré qu'il était essentiel que vous vous montriez ici. De cette façon, vous démontrerez que le meurtre et vous n'avez absolument aucun rapport. Vous ne pouvez pas mieux le montrer qu'ici. Mais qui est là? Bonsoir, monsieur Ziré. Heureux que vous êtes ici. J'en suis heureux. Inspecteur Derrick. Êtes-vous déjà venu ici comme client? En tant que client, non. Je connais bien cet établissement, mais uniquement comme lieu d'un crime.
Et vous accompagnez Madame Abel. Tout à fait. Mais pourquoi êtes-vous si agité? Arrêtez un peu, vous allez me rendre nerveux. Voilà, c'est déjà mieux. Oui, oui, j'accompagne Madame Abel. Est-ce que vous pourriez arrêter la musique, s'il vous plaît? Merci, merci. Je suis désolé de vous interrompre, c'était très bien, mais je vais vous demander d'où vous en allez. Je vous remercie, c'est très gentil, merci beaucoup. Bon, maintenant, nous savons tous ce qui s'est passé ici et nous connaissons l'assassin. Vous savez, j'étais fermement convaincu que votre frère était l'assassin de son associé. Mais maintenant, ce n'est plus lui, c'était le serveur, le meurtrier, le gentil monsieur Abel. Il avait un excellent mobile. Il a fait des aveux complets et nous avons retrouvé chez lui l'arme du crime. J'aurais donc toutes les raisons du monde de vous présenter des excuses. L'ennui, c'est que j'ai quelque chose de mieux à faire. Et c'est pour ça que je suis ici. Et pourquoi avec Madame Abel? Pourquoi? Mais elle... Elle est la femme d'un meurtrier. Il faut qu'elle prenne conscience que partout où elle ira, elle sera la femme d'un criminel. Dans l'immeuble où elle habite, dans les magasins où elle fait ses achats pour ses relations, elle sera la femme d'un criminel. Et c'est pour ça que je suis venu ici ce soir avec elle, officiellement en tant qu'inspecteur principal. Car si elle est la femme d'un criminel, elle n'a absolument rien à voir avec cette triste affaire. Et nous sommes là ce soir pour que personne ne puisse confondre, pour montrer que la marge est grande entre elle et le geste de son mari. Désirez-vous boire quelque chose? Oh, non, non, non. Nous ouvrons l'établissement dans quelques minutes et c'est moi qui vous invite. La soirée vous est offerte. Ça va me demander peut-être pas plus d'une semaine. Tu sais qu'ils vont peut-être devoir te payer des dommages et intérêts. Et l'inspecteur Derrick? Oh, lui, je sais pas ce qu'il cherche. Et s'il a une idée derrière la tête, je ne vois pas laquelle. Bonjour, Madame Abel. Je suis heureux que vous ayez pu vous libérer. Je ne fais rien, vous le savez bien. Vous vouliez me parler, eh bien, me voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire. Mais en attendant, je peux vous dire que je suis content de vous voir. Venez, nous allons nous asseoir. Tenez. Maintenant, dites-moi de quoi il s'agit. Je vois que vous êtes impatiente. Voilà, si vous voulez gagner de l'argent, j'ai une proposition à vous faire. À moi? Quelle? Oui, le rédacteur en chef d'un journal est un de mes vieux amis. Il a une idée que personnellement je trouve très intéressante. Comment vivent les proches d'un criminel? Que pensent-ils? Quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre? Comment s'en sortent-ils? Comment mènent-ils leur vie à l'ombre d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis? Est-il possible qu'eux aussi en viennent à commettre l'irréparable? Quels sont leurs rapports avec le meurtre? Ce sont les questions que se posent les gens. Je ne dis pas que vous êtes une future criminelle. J'ai dit à mon ami que j'étais actuellement sur une affaire de ce style en rapport avec son sujet. La femme d'un criminel. Ce sera du reste le titre des articles. La femme d'un criminel. Oh, je manque à tous mes devoirs. Je ne vous ai pas demandé ce que vous vouliez boire. De l'eau minérale. De l'eau minérale. Je crois que je serai un très mauvais sujet. Je ne tiens pas à parler de cela. Je m'en doutais, c'est ce que j'ai dit à mon amie. Je ne crois pas qu'elle acceptera. Mais le titre est très accrocheur. La femme d'un criminel, c'est bien. Eh oui, il n'est pas exclu qu'il essaye de vous joindre. Il s'appelle Joachim Vaumann. S'il vous appelle, vous saurez de quoi il s'agit. On peut dire que vous aimez torturer les gens. Et tu continues à mal garer ta machine. Est-ce que tu peux me dire comment je peux sortir ma voiture si tu te mets là? Oui, d'accord, je vais la mettre ailleurs. Suffit de le demander gentiment. Et pourquoi ça? J'aime pas qu'on me parle sur ce ton. Oh, je te prie humblement de m'excuser. Tu as sans doute un revolver dans ta poche.
Est-ce que vous pouvez répéter? Tu as sans doute un revolver dans ta poche. J'écoute. Ah, Madame Havel, je suis Monsieur Vaumann. Je suis journaliste. Je vous téléphone du bureau de l'inspecteur principal Derrick. Il vient de me dire qu'il vous avait parlé de ma proposition au sujet des articles. Oui, c'est exact. J'aimerais vous voir pour en parler. Pour discuter de ce que vous avez fait durant tout ce temps et pour savoir comment vous avez vécu cette situation. Quelle situation? Le fait d'être la femme d'un meurtrier, ça... Ça a dû transformer toute votre vie. Vous allez me laisser en paix à la fin. Benny, qu'est-ce que tu as? Benny! Benny! Fais pas l'idiot, ouvre! Benny, ouvre cette porte! Benny, je t'en prie! Benny! Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Est-ce que quelqu'un t'a maltraité? C'est pire. On vient de me demander si... si j'avais pas un revolver sur moi. Vois-tu, c'est vraiment un très bon sujet. Comment se sent-on dans la peau d'une femme de meurtrier? Comment se sent-on dans la peau d'une femme de meurtrier qui sait en réalité que son mari n'est pas un assassin? Oui, je pense que ce serait un bon... Oh, je suis content que vous ayez accepté de venir. Je vous présente Monsieur Vaumann. C'est le journaliste dont je vous ai parlé. Je suis Madame Abel. Bonjour, Madame Abel. Bonjour. Je peux vous parler, inspecteur? Oui, bien entendu. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je fais? La femme d'un meurtrier. Je n'arrête pas d'entendre ça. C'est votre histoire, pas la mienne, désolée. Et vous voulez en faire mon histoire? Mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Le fait est que c'est bien votre histoire. Aujourd'hui, demain, après toute votre vie, vous ne penserez plus qu'à ça. Bon, écoutez, nous ne sommes pas là pour nous agresser tous les deux. Vous ne voulez pas parler avec lui? Il m'a juré qu'il ne ferait paraître que ce que vous l'aurez autorisé à publier. Très bien. Je vous écoute. Voilà. Je voudrais parler de votre mari. Pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse. Je me suis renseigné sur cet homme. C'était un homme aimé, toujours très serviable, gentil avec tous. C'était l'ami de tout le monde, un peu faible. D'une certaine manière, il n'arrivait pas à s'imposer. De la vie de chacun, il était incapable de faire quelque chose de mal. Pour lui, les autres étaient beaucoup plus importants que lui-même, non? Donc ma question est, quand avez-vous remarqué que votre mari était également cruel, qu'il avait ce caractère-là? Je présume qu'il l'avait sans doute déjà dévoilé. Lui était-il déjà arrivé de maltraiter son fils? Le meurtre a été commis avec une certaine préméditation. Il a pris de l'argent sur son lieu de travail. Et il a envisagé la possibilité qu'il pouvait être dérangé par quelqu'un. C'est pour cela qu'il avait un pistolet sur lui. Cela démontre un sang-froid extraordinaire. Pensiez-vous votre mari capable d'un tel geste? Sûrement pas. Vous ne pouviez pas savoir que votre mari, en son fort intérieur, était en fait un criminel. Je vous prie de m'excuser. Je me suis surestimée. Je me rends compte que je ne tiendrai jamais le coup. Excusez-moi. Je suis désolée.
Je m'excuse. Derek. J'aime bien cette femme. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Merci de m'avoir prévenu. Madame Haupt? Oui, madame. Je voulais savoir si vous étiez là. Mais je suis toujours là, madame. Bonjour, madame Haupt. Vous n'avez rien à me dire? Que voulez-vous que je vous dise? Je ne sais pas, j'aurais bien aimé entendre heureuse que vous soyez de retour. Bonjour, messieurs. Elena. Tu es ravissante. Je suis heureux que tu sois là. Tu ne l'es pas, toi? Alors, Derek, votre présence me ravit. Je suis particulièrement heureux de vous voir. Seulement, c'est chez moi, ici. Alors, fichez-moi le camp. C'est hors de question. J'ai quelque chose d'important à vous remettre. Allez, prenez. C'est à vous. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 300 000 marques que vous avez payées. Ils sont devenus inutiles. Vous comprenez? Spécidiot! Non, laissez ça. Monsieur Cyril, je vous arrête.
Vous êtes en beauté aujourd'hui. C'est vous qui avez tiré sur Rubisch. Incroyable, n'est-ce pas? Absolument incroyable. Et pourtant, c'est vrai. J'ai fait des aveux qui ont été relevés par écrit. Et un avocat était présent. Et aussi un prêtre. Et tous mes péchés ont été absous. Je peux... Il n'empêche que je n'en crois pas un mot. Monsieur Abel, si je me souviens bien de ce que vous avez dit, vous vouliez libérer votre conscience. C'est vous qui auriez abattu votre patron, parce que, au fait, pour quelle raison? Vous l'accusez de vous avoir volé. Je me suis rendu compte qu'il me volait depuis des années. Une partie importante de mes pourboires, la moitié, il gardait la moitié de cet argent pour lui. Je me suis rendu dans son bureau et je me suis servi. Mmh. Il m'a surpris et j'ai tiré sur lui. Monsieur Abel. Monsieur Abel, vous n'avez tiré sur personne. Non? Non. Oh. Écoutez, inspecteur, je peux vous prouver tout ce que je dis. Approchez un peu. Je vais vous dire une chose dont personne n'est au courant. Nous avons à la maison qu'est-ce que c'est que ça? De l'argent? Mon Dieu, il y en a pour une fortune. J'attendais que tu reviennes. Puis des cris et des gémissements. C'est peut-être bien la dixième fois que tu me racontes ça. Et lors de sa déposition, il a dit qu'il s'était enfui car quelqu'un s'était mis à courir derrière lui, quelqu'un sortant du bureau. Mais il ne sait pas qui c'était. Et il n'a jamais été soupçonné? Pas ce crétin, il ne craignait rien. Et aujourd'hui, tu veux que ce crétin dise que c'était lui? Bien sûr, il n'a rien à perdre. Et pourquoi le ferait-il? Parce qu'il a une femme qui ne sait pas de quoi elle va vivre et un fils incapable de subvenir à ses besoins personnels. Ce sont d'excellentes raisons.
pour un homme qui s'intéresse un peu à l'avenir de sa famille. À moins qu'il soit heureux de s'en débarrasser. C'est une idée d'Alex? Mais. Vous êtes vraiment des salauds. Mettez-les sur la table. Elle aussi, elles vont se faner. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à vous. J'arrive plus à dormir, alors je réfléchis. La nuit, le cerveau est envahi de pensées qui s'entrechoquent et qui vous obsèdent. Et vous vous dites que vous n'avez plus toute votre raison. Alors allez-y. Allez-y, dites-moi. Dites-moi pourquoi vous venez me voir. Vous savez, j'ai été garçon de café toute ma vie, mais c'est pas pour autant que je suis plus bête qu'un autre. Alors, pourquoi vous venez me voir ? Je viens vous parler de votre famille, de votre femme, de votre fils. Sont-ils tous les deux à l'abri du besoin ? Ça vous inquiète ? Non. Mais je pense que c'est vous que ça devrait inquiéter. Je n'ai plus le temps de m'inquiéter. Eh bien, au cas où ça vous inquiéterait, j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer. Une proposition à laquelle vous pourriez réfléchir calmement. Elle ne vient pas de moi, mais de mon frère, Alex. D'ailleurs, il vous salue. Madame Abel ? Vous savez, j'ai été garçon de café toute ma vie, mais c'est pas pour autant que je suis plus bête qu'un autre. Alors, pourquoi vous venez me voir ? Je viens vous parler de votre famille, de votre femme, de votre fils. Sont-ils tous les deux à l'abri du besoin ? Ça vous inquiète ? Mais je pense que c'est vous que ça devrait inquiéter. Je n'ai plus le temps de m'inquiéter. Eh bien, au cas où ça vous inquiéterait, j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer. Une proposition à laquelle vous pourriez réfléchir calmement. Elle ne vient pas de moi, mais de mon frère, Alex. D'ailleurs, il vous salue. Madame Abel ? Oui ? Votre mari a une visite. Il a une visite ? Qui donc ? Monsieur Siric. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit, Abel ? Oui. C'est que tout ça, il faut que ça se mette en place. Et puis d'abord, oui, il y a quelque chose qui m'échappe. Je vous ai dit que mes pensées, le peu que j'ai encore, sont devenues folles. Et j'ai une question à vous poser. Nous en avons pas parlé, enfin, je veux dire que vous m'avez rien dit sur le prix. Je pense que votre idée est folle et je ne ferai rien, mais je veux savoir combien vous vouliez me donner. Je vous demande ça juste par curiosité. C'est vous qui nous dites ce que vous voulez. Je dis ce que je veux. Alors, si je vous disais 100 000 marks. Ça ne ferait aucun problème. Aucun problème, et si je disais 300 000 marks? Écoutez, Alex serait libéré. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Alors, 300 000 marks, ce serait d'accord? Je vous le répète, aucun problème. Par
Regardez, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi seul avec les 300 000. Vous allez me laisser en paix à la fin. Benny, qu'est-ce que tu as? Benny! Benny, fais pas l'idiot, ouvre! Benny, ouvre cette porte! Benny, je t'en prie! Benny! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Est-ce que quelqu'un t'a maltraité? C'est pire. On vient de me demander si... si j'avais pas un revolver sur moi. Vois-tu, c'est vraiment un très bon sujet. Comment se sent-on dans la peau d'une femme de meurtrier? Comment se sent-on dans la peau d'une femme de meurtrier qui sait en réalité que son mari n'est pas un assassin? Oui, je pense que ce serait un bon... Oh, je suis content que vous ayez accepté de venir. Je vous présente M. Vaumann. C'est le journaliste dont je vous ai parlé. Voici Mme Abel. Bonjour, Mme Abel. Bonjour. Je peux vous parler, inspecteur? Oui, bien entendu. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je fais? La femme d'un meurtrier. Je n'arrête pas d'entendre ça. C'est votre histoire, pas la mienne, désolée. Et vous voulez en faire mon histoire? Mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Le fait est que c'est bien votre histoire. Aujourd'hui, demain, après toute votre vie, vous ne penserez plus qu'à ça. Bon, écoutez, nous ne sommes pas là pour nous agresser tous les deux. Vous ne voulez pas parler avec lui? Il m'a juré qu'il ne ferait paraître que ce que vous l'aurez autorisé à publier. Très bien. Je vous écoute. Voilà. Je voudrais parler de votre mari. Pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse. Je me suis renseigné sur cet homme. C'était un homme aimé, toujours très serviable, gentil avec tous. C'était l'ami de tout le monde, un peu faible. D'une certaine manière, il n'arrivait pas à s'imposer. De la vie de chacun, il était incapable de faire quelque chose de mal. Pour lui, les autres étaient beaucoup plus importants que lui-même, non? Donc ma question... Monsieur Abel, vous n'avez tiré sur personne. Non? Non. Oh. Écoutez, inspecteur, je peux vous prouver tout ce que je dis. Approchez un peu. Je vais vous dire une chose dont personne n'est au courant. Nous avons à la maison... Qu'est-ce que c'est que ça? De l'argent? Mon Dieu, il y en a pour une fortune. J'attendais que tu reviennes.
venait de partir. Quand il est mort. Bon, j'ai le rapport du labo. Et il confirme que c'est bien l'arme qui a tué Rubiche. Ensuite, que les empreintes sont celles d'Abel. Et j'ai ici l'argent qu'Abel affirme avoir pris dans la caisse lorsque Rubiche l'a surpris et qu'il lui a tiré dessus. Tout cela est trop bien ficelé. Ça cache quelque chose. Stéphane, nous avons tous la même idée. Quelle idée? Que tout a très bien pu se passer comme ça a été dit et qu'Abel a dit la vérité. Et puis, Zirik n'a jamais avoué, il n'a été condamné que sur de fortes présomptions. Je peux même te dire que le procureur... Quoi, le procureur? Il dit que les aveux qui ont été faits par Abel sont clairs. Alex, Zirik et Rubiche étaient associés dans le bar et amis. Jusqu'à ce que Rubiche pique la femme de son ami, tombe amoureux d'elle. Montre-moi la photo, on a bien une photo d'elle dans le dossier. Et la voilà. Oui, il tombe amoureux de cette femme. Et je suppose que les sentiments sont réciproques. On a une photo de Rubiche. Elle tombe donc amoureuse de cet homme, oui. Moi, de quoi il s'agit? Je vois que vous êtes impatiente. Voilà, si vous voulez gagner de l'argent, j'ai une proposition à vous faire. À moi? Quelle proposition? Oui, le rédacteur en chef d'un journal est un de mes vieux amis. Il a une idée que personnellement je trouve très intéressante. Comment vivent les proches d'un criminel? Que pensent-ils? Quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre? Comment s'en sortent-ils? Comment mènent-ils leur vie à l'ombre d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis? Est-il possible qu'eux aussi en viennent à commettre l'irréparable? Quels sont leurs rapports avec le meurtre? Ce sont les questions que se posent les gens. Je ne dis pas que vous êtes une future criminelle. J'ai dit à mon ami que j'étais actuellement sur une affaire de ce style en rapport avec son sujet. La femme d'un criminel. Ce sera du reste le titre des articles. La femme d'un criminel. Oh, je manque à tous mes devoirs. Je ne vous ai pas demandé ce que vous vouliez boire. De l'eau minérale. De l'eau minérale. Je crois que je serai un très mauvais sujet. Je ne tiens pas à parler de cela. Je m'en doutais, c'est ce que j'ai dit à mon amie. Je ne crois pas qu'elle acceptera. Mais le titre est très accrocheur. La femme d'un criminel, c'est bien. Eh oui, il n'est pas exclu qu'il essaye de vous joindre. Il s'appelle Joachim Vohmann. S'il vous appelle, vous saurez de quoi il s'agit. On peut dire que vous aimez torturer les gens. Et tu continues à mal garer ta machine. Est-ce que tu peux me dire comment je peux sortir ma voiture si tu te mets là? Oui, d'accord, je vais la mettre ailleurs. Suffit de le demander gentiment. Et pourquoi ça? J'aime pas qu'on me parle sur ce ton. Oh, je te prie humblement de m'excuser. Tu as sans doute un revolver dans ta poche. Est-ce que vous pouvez répéter? Tu as sans doute un revolver dans ta poche. J'écoute. Ah, Madame Abel, je suis Monsieur Vohmann. Je suis journaliste. Je vous téléphone du bureau de l'inspecteur principal d'Eric. Il vient de me dire qu'il vous avait parlé de ma proposition au sujet des articles. Oui, c'est exact. J'aimerais vous voir pour en parler. Il est sorti de là. Oui, enfin, qu'il a fini par avouer. Alex ne pouvait plus le remercier en personne, il a pensé à sa famille. Et combien avez-vous reçu? Quelques milliers de marques. Ainsi, votre mari, l'assassin, a pu tout arranger pour vous après son décès. Vous changez de garde-robe, votre fils de moto. Vous pouvez le remercier de sa gentillesse et prier pour le repos de son âme. Amen. Allez, d'accord, merci.
Ils ont payé pour les aveux, ils ne s'en cachent même pas. En remerciement des services rendus, on annule un jugement avec quelques milliers de marques. Que penses-tu de tout cela, Harry? C'est assez rusé. Presque génial. Ils n'ont même pas à cacher l'argent, ils peuvent en profiter. Enfin, d'une partie, du moins. J'en conclus que les mauvaises cartes sont chez nous. Je sors avec Madame Abel ce soir. Let's go! Baisse les épaules, please, je vois pas ton visage. Bien! Ça va! 6, 7 et 8, tourne! Tourne! 5, 6, 7, un peu de nerf, les gars! Le corps bien tendu, oui! Gauche! Tendu! Ne laissez pas tomber, gardez les bras bien tendus! Doucement! Et 6, et 5, 6, 7 et 8 et 1, c'est bon, continuez. Cambrez, pensez à cambrer, allez, attention, souple les hanches. Oui, 1, 2, 5, 6, 7 et 8, oui. Vous savez où on est? Oui, oui, c'est ici que votre mari a tué son patron. L'endroit n'a pas l'air de vous plaire. Pourquoi m'avez-vous amené ici? J'ai considéré qu'il était essentiel que vous vous montriez ici. De cette façon, vous démontrerez que le meurtre et vous n'avez absolument aucun rapport. Vous ne pouvez pas mieux le montrer qu'ici. Mais qui est là? Bonsoir, monsieur Ziré. Ruth, vous êtes ici. J'en suis heureux. Inspecteur Derrick. Êtes-vous déjà venu ici comme client? En tant que client, non. Je connais bien cet établissement, mais uniquement comme lieu d'un crime. Et vous accompagnez Madame Abel? Tout à fait. Mais pourquoi êtes-vous si agité? Arrêtez un peu, vous allez me rendre nerveux. Voilà. C'est bien le musée de Dahlem, par hasard? Si, c'est ça. Tu l'as visité? Oui, oui, bien sûr, plusieurs fois. Mm-hmm. Les autres, je les ai prises de... dis-moi. C'est pas vrai. Tenez. C'est beau aussi. Merci. Ah oui, et celle-ci, tiens, regarde celle-ci. Je l'ai prise un matin au lever du soleil. Oui. Rebondissement dans l'affaire Roubiche, confession d'un serveur. Ce qui est étonnant, c'est ce qui est marqué là. Tiens, emballe ça. Je peux téléphoner, s'il vous plaît? Oui. Oui, Harry, je viens de lire le journal. Est-ce que tu te rends compte? Le serveur? Mais c'est complètement insensé. Oh, tu sais, j'ai lu sa déposition, il a fait des aveux avec tous les détails. En plus, le papier a été certifié par un avocat. J'ai rendez-vous avec le procureur ce matin. Dès qu'il sera là, nous fonçons à l'hôpital. Vous êtes les messieurs de la police criminelle? Oui. Oui, dites, nous aimerions parler avec monsieur Abel. Il est très faible, mais je pense que je ne peux pas vous empêcher de lui parler. Vous êtes l'inspecteur principal d'Eric? Oui, excusez-moi de ne pas m'être présenté. Et voici le procureur général, Maître Hein. Monsieur Abel tient absolument à vous parler. C'est gentil d'être venu. Monsieur Abel ne passera pas la nuit. Sa famille est près de lui. Si vous voulez, on peut y aller. Merci. Pourrais-je parler seul avec votre mari? Docteur, s'il vous plaît. Bonjour, inspecteur Derrick. Bonjour, Madame Abel. Merci beaucoup. Alors, monsieur Abel, c'est vous qui avez tiré sur Roubiche.
Incroyable, n'est-ce pas? Absolument incroyable. Et pourtant, c'est vrai. J'ai fait des aveux qui ont été... Bonjour, madame Hope. Vous n'avez rien à me dire? Que voulez-vous que je vous dise? Je ne sais pas, j'aurais bien aimé entendre heureuse que vous soyez de retour. Bonjour, messieurs. Elena. Tu es ravissante. Je suis heureux que tu sois là. Tu ne l'es pas, toi? Alors, Derek, votre présence me ravit. Je suis particulièrement heureux de vous voir. Seulement, c'est chez moi ici. Alors, fichez-moi le camp. C'est hors de question. J'ai quelque chose d'important à vous remettre. Allez, prenez. C'est à vous. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 300 000 marques que vous avez payées. Ils sont devenus inutiles. Vous comprenez? Spéciaux. Faible. D'une certaine manière, il n'arrivait pas à s'imposer. De l'avis de chacun, il était incapable de faire quelque chose de mal. Pour lui, les autres étaient beaucoup plus importants que lui-même, non? Donc ma question est, quand avez-vous remarqué que votre mari était également cruel, qu'il avait ce caractère-là? Je présume qu'il l'avait sans doute déjà dévoilé. Lui était-il déjà arrivé de maltraiter son fils? Le meurtre a été commis avec une certaine préméditation. Il a pris de l'argent sur son lieu de travail. Et il a envisagé la possibilité qu'il pouvait être dérangé par quelqu'un. C'est pour cela qu'il avait un pistolet sur lui. Cela démontre un sang-froid extraordinaire. Pensiez-vous votre mari capable d'un tel geste? Sûrement pas. Vous ne pouviez pas savoir que votre mari, en son fort intérieur, était en fait un criminel. Je vous prie de m'excuser. Je me suis surestimée. Je me rends compte que je ne tiendrai jamais le coup. Excusez-moi. Je suis désolée. Je m'excuse. Derek. J'aime bien cette femme. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Merci de m'avoir prévenu.
Madame Haupt? Oui, madame. Je voulais savoir si vous étiez là. Mais je suis toujours là, madame. Oui. J'ai reçu un peu d'argent de Cyric, de Alex, lui qui va bientôt sortir de prison. Et c'est son frère qui me l'a apporté. Oui. Je lui ai bien sûr demandé de l'argent. Pourquoi de l'argent? Et il a dit que... qu'Alex voulait nous remercier, que... que mon mari l'est sorti de là. Qu'il l'est sorti de là? Oui, enfin, qu'il a fini par avouer... Alex ne pouvait plus le remercier en personne, il a pensé à sa famille. Et combien avez-vous reçu? Quelques milliers de marques. Ainsi, votre mari, l'assassin, a pu tout arranger pour vous après son décès. Vous changez de garde-robe, votre fils de moto. Vous pouvez le remercier de sa gentillesse et prier pour le repos de son âme. Amen. Allez, d'accord, merci. Ils ont payé pour les aveux, ils ne s'en cachent même pas. En remerciement des services rendus, on annule un jugement avec quelques milliers de marques. Que penses-tu de tout cela, Harry? C'est assez rusé. Presque génial. Ils n'ont même pas à cacher l'argent. Ils peuvent en profiter. D'une partie, du moins. J'en conclus que les mauvaises cartes sont chez nous. Je sors avec Madame Abel ce soir. Let's go! Baisse les épaules, Chris. Je vois pas ton visage. Bien. Ça va. 6, 7 et 8, tourne. Tourne. 5, 6, 7, un peu de nerf, les gars. Le corps bien tendu, oui. Gauche. Tendu. Ne laissez pas tomber. Gardez les bras bien tendus. Doucement. Et 6. Et 5. 6. 7 et 8 et 1. C'est bon. Continuez. Cambrez. Pensez à cambrer. Allez. Attention. Souple les hanches. Oui. 1. 2. 5, 6, 7 et 8, oui! Vous savez où on est? Oui, oui. C'est ici que votre mari a tué son patron. L'endroit n'a pas l'air de vous plaire. Pourquoi m'avez-vous amené ici? J'ai considéré qu'il était essentiel que vous vous montriez ici. De cette façon, vous démontrerez que le meurtre et vous n'avez absolument aucun rapport. Vous ne pouvez pas mieux le montrer qu'ici. Mais qui est là? Bonsoir, monsieur Ziré. Capable d'un tel geste? Sûrement pas. Vous ne pouviez pas savoir que votre mari, en son fort intérieur, était en fait un criminel. Je vous prie de m'excuser. Je me suis surestimée. Je me rends compte que... je ne tiendrai jamais le coup. Excusez-moi. Je suis désolée. Je m'excuse. Derrick. J'aime bien cette femme. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Merci de m'avoir prévenu.
Madame Haupt? Oui, madame. Je voulais savoir si vous étiez là. Mais je suis toujours là, madame. Est-ce que vous pouvez répéter? Tu as sans doute un revolver dans ta poche. J'écoute. Ah, madame Havel, je suis monsieur Vaumann. Je suis journaliste. Je vous téléphone du bureau de l'inspecteur principal, Derrick. Il vient de me dire qu'il vous avait parlé de ma proposition au sujet des articles. Oui, c'est exact. J'aimerais vous voir pour en parler. Pour discuter de ce que vous avez fait durant tout ce temps et pour savoir comment vous avez vécu cette situation. Quelle situation? Le fait d'être la femme d'un meurtrier, ça a dû transformer toute votre vie. Vous allez me laisser en paix à la fin? Benny, qu'est-ce que tu as? Benny! Benny! C'est Benny, ouvre! Benny, ouvre cette porte! Benny, je t'en prie! Benny! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Est-ce que quelqu'un t'a maltraité? C'est pire. On vient de me demander si... si j'avais pas un revolver sur moi. Vois-tu, c'est vraiment un très bon sujet. Comment se sent-on dans la peau d'une femme de meurtrier? Comment se sent-on dans la peau d'une femme de meurtrier qui sait en réalité que son mari n'est pas un assassin? Oui, je pense que ce serait un bon. Oh, je suis content que vous ayez accepté de venir. Je vous présente Monsieur Vaumann. C'est le journaliste dont je vous ai parlé. Voici Madame Abel. Bonjour, Madame Abel. Bonjour. Je peux vous parler, inspecteur? Oui, bien entendu. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je fais? La femme d'un meurtrier. Je n'arrête pas d'entendre ça. C'est votre histoire, pas la mienne, désolée. Et vous voulez en faire mon histoire? Mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Le fait est que c'est bien votre histoire. Aujourd'hui, demain, après toute votre vie, vous ne penserez plus qu'à ça. Bon, écoutez,